Lara Fabian prend l'avion plusieurs fois par année, le TGV plusieurs fois par mois, la limousine de temps en temps, mais aujourd'hui, elle se déplacera en Batmobile! Et elle capote. Ben bon, peut-être pas autant que moi, là, mais... C'est des gars qui mettent d'étiquettes, ça? Oui, c'est eux-mêmes, alors c'est pour ça qu'on bouge, là, tu vois? D'accord. Et peut-être que s'ils te voyaient dans la voiture, ils feraient « Ah, c'est bon, pour Madame Fabian. » Des fois, tu sais, ça peut être pire que tu penses. À quel point ta célébrité t'a permis de te sauver de malencontreux événements comme un billet de contravention? Il y a eu une négociation un soir, je me souviens. Il a absolument voulu que je lui chante « À lui, je t'aime », le gars, le flic. En échange de pas de constat. En échange de pas de constat. Mais c'est de la prostitution. Alors, t'es-tu prostituée, là? Ah oui. Avec un plaisir extraordinaire. Je suis même sortie de la voiture pour lui chanter la pomme. Quelle était l'infraction? Je roulais un peu vite. Maman a le pied qui pèse, le pied pesant. Ah oui? Je pense que je roulais à 190. Qu'est-ce qui urgeait tant? Non, je devais retrouver quelqu'un. Pour une signature d'un gros contrat non, ou pour, ben, ou pour te... Non, ben, ou pour vous sustenter l'un de l'autre? Oui, c'était plus une sustentation business. Ça devait faire un petit bout de temps que vous vous étiez pas vus? Oui, 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 oui. Puis on savait même pas si on allait se revoir après. Très heureux de t'accueillir dans ma Batmobile. Merci. Et ta réaction juste avant d'y entrer m'a jeté par terre. T'as dit « c'est... » Ma voiture! C'est mon char! Je l'ai magasiné, je suis une Toyota girl. Et en fait, je viens de me magasiner un RAV4, le nouveau blanc nacre avec l'intérieur cuir cousu de fil blanc. Quand je l'ai vu, comme je vais le recevoir que dans quelques jours en rentrant, j'ai capoté, je suis « ma voiture! » Lara, je te ramène à ton arrivée ici vers 19-20 ans. Oh wow. À l'époque, tu avais, corrige-moi si j'ai tort, une vieille Chevrolet. Une Lumina. Dans laquelle tu as littéralement habité. Absolument. Puis on a fait le tour de la province pour aller faire des interviews, des entrevues, des, et chanter live dans toutes les radios du Québec. On a fait 6000 kilomètres. Mais quand on dit vivre là, dans la voiture, oui. Vous y dormiez pas réellement. Il y a eu des moments où on l'a fait. C'est arrivé une couple de fois. Oui, c'est arrivé une couple de fois. Ça a démarré comme ça pour toi? Oui, ça a démarré comme ça. Et puis surtout, il y a eu un événement majeur. C'est quand Sonia Benezra m'a invitée pour la Saint-Valentin, où il y a eu une tempête de neige historique au Québec. Et où Sonia me demande de chanter mon interprétation de « I will always love you ». Il y avait 4 millions de gens devant la télévision, ce qui est quand même très, très rare. Parce que personne ne pouvait sortir. N'affrontait la tempête. Exactement. Et voilà, donc je chante « I will always love you ». Après, je vais m'asseoir pour l'interview et là, Rick m'a demandé en mariage. À ce moment-là, oh, ben, j'ai fondu en larmes. Ce moment-là, il a été... C'était un moment les plus forts dans ma vie d'être humain. Sans mentir, dans la semaine, j'ai vendu 100 000 copies de mon album. Dans la semaine. Ça a été un truc... J'ai rien compris. On dirige maintenant, mais sûrement vers une de tes adresses fétiches à Montréal. J'ai nommé chez Schwartz. Ah, la salle Smoke Meat. Pardon? Attachez-moi. La Smoke Meat. Ça y est! On est là! Schwartz! Ça me ferait immensément plaisir de t'offrir un sandwich. Alors, en attendant, raconte quelque chose aux gens à la maison. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je reviens là. En direct de chez Schwartz. Amore, ti devo spiegare una cosa fantastica. Senti, ascoltami bene. Tutto, sai le telecamere che tu adori? Allora, c'est mon mari, je l'appelle parce que il faut que je lui explique ce que tu es en train de faire. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Avec ma femme. Oui, ça va bien avec ma femme? Tout se passe très bien avec votre tendre moitié. J'en prends bien soin. Je l'entends s'amuser comme une petite fille. C'est magnifique, ça lui fait du bien. Merci. Ah, maman, oui. Bonjour, oui. Oui, c'est ma fille. Buonanotte, amore mio. Je t'aime, ma poulette. Je t'aime. Ciao, mon amour. Okay. Ciao, amore mio. Ciao, Vitania. Ciao, ciao, ciao. Ah oui, oui, c'est ça. J'avais oublié que c'est impossible à mettre dans la bouche. Alors... Mais j'ai un grand garage. Ça devrait aller... Wow! Il y a un petit monsieur. Salut!
Monsieur, oui. Est-ce que vous aimez ça, les sandwichs au smoked meat? Je vous donne le mien. Merci infiniment. Bon appétit. Avez-vous de l'eau? Tenez. Mon Dieu. Hey, salut. Merci. Wow! Ben là, il est assis devant, ça se manque pas, ça? Je me suis permise de faire ce geste-là parce que ça me paraissait tellement évident. Mais complètement, mais quel que beau pas, geste. Mais non, au contraire, je suis complètement charmée et touchée par ce geste. Je m'en fous des caméras, c'est pas ça. Moi, j'ai eu l'occasion de mordre un bout de dent. J'espère que ça le dégoûtera pas, par exemple, il sait pas. L'oubli comme une impasse sur les gestes qui blessent. L'oubli comme elle déplace son passé, sa tristesse. Alors, dans cet album, Ma vie dans la tienne, il y a une chanson que l'on apprend à être ta préférée, L'oubli, qui est en quelque sorte un hommage à ta maman, Louisa, parce que ça traite de maladie neurodégénérative et ta maman en souffre. Quelle a été ta réaction quand t'as appris que ta maman en était atteinte? Wow! Moi, j'étais désespérée. Après, je suis venue en colère. Et puis, tout doucement, j'ai fini par accepter que maman allait devenir Louisa sous une autre forme et que j'allais devoir apprendre à inventer une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi au quotidien avec cette maladie-là de ta maman? Je m'ennuie. Elle me manque. Si j'en ai parlé, c'est parce que je sais combien de gens souffrent de ça en silence. Et je l'ai fait en me disant que si moi, je pouvais être un étendard, si je pouvais être un pont-levis pour que les autres se libèrent, pour que les autres en parlent, alors au moins, j'aurais été utile. Voilà. Tu l'as donné sur Mont-Royal et on s'approche d'un autre de tes endroits de prédilection. Beauties. Attends, mais ils vont vraiment penser que je suis une goinfre. Qu'est-ce qu'elle fait quand t'arrives à Montréal, Lara Fabian? Elle mange! Alors, est-ce que je peux t'offrir un bagel de chez Beauties? J'ai pas fini de roter le smoked meat de tout à l'heure, mais j'en ai pris qu'une bouche. Mais pas de problème! Laisse-moi t'ouvrir la porte. Oh non! Ah, c'est fermé après 16 heures. Oh non! Oui, ça... Il est là! Bonjour, c'est Lara Fabian. Merci, Larry. Merci beaucoup. Il y a des événements tragiques qui sont survenus le 22 mars dernier dans ton chez-toi de la Belgique, les attentats terroristes. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton chez-toi frappé d'attentats? J'étais à l'aéroport la veille au soir à 21h. Et la seule raison pour laquelle j'étais la veille au soir, c'est parce que le matin des attentats, le vol que je devais prendre pour Marseille était plein. Sinon, tu te serais retrouvée là? Absolument. Et quand tu te réveilles le lendemain matin à Marseille? Le lendemain matin à Marseille, je découvre que l'aéroport est un trou béant. Là, je peux te dire... Ah, tu mesures la chance que tu as d'être en vie à ce moment-là. Je suis montée sur scène ce soir-là. J'ai chanté « Voir un ami pleurer » de Jacques Brel parce que j'arrivais pas à trouver les mots. Puis je voulais dire quelque chose et puis je suis pas capable de dire quelque chose. Je vais chanter ça. C'était l'acteur dans Game of Thrones. Tu me niaises-tu? Tu me niaises! C'est le nain dans Game of Thrones! Eh bien, courons! Mais là, non, je sais pas, c'est gênant. Il aurait tourné sur cette rue-ci, ou à peu près. Ah non, il est là-bas! Monsieur? Monsieur? Excusez-moi. Yeah. Are you an actor, sir? You're not an actor. I'm sorry. Mais il a répondu rapidement. Je me suis payé une honte, une honte nationale. Non! Oh, tu as vu Game of Thrones? Avec Dracarys, qu'est-ce qu'elle est belle, la maman des dragons. Là. Une bombasse. Pardon? Une bombasse. Une bombasse. Qu'elle est belle, elle est tellement belle. Une bombe, c'est belle, mais une bombasse, c'est plus belle que belle? Regarde. Si Lara Fabian avait être une bombe ou une bombasse, ça voudrait être quoi? Charlize Theron. Moi, je l'ai vu en vrai à Cannes, là. Je dis pas que j'aurais reviré ma cutie, mais quand même. Qui dit balade en voiture, dit toune de char. OK.
Et c'est pas vrai que je suis assis avec Lara Fabian dans ma patte mobile et que je vais mettre un vulgaire CD. Okay. Est-ce que je peux te nommer des titres de tes plus grands succès et que tu m'en chantes un petit bout? Vas-y. I will love again. And if all the stuff comes crazy. Là, je fais ma folle. Là, I will love again. No, my heart will... Je sais plus comment c'est quoi les paroles. I will love again. Even if it takes a lifetime to get over you. Heaven only knows. I will love again. Alors, je vais te mettre une chanson de toi-même. Ah, OK. Donc, tu vas te suivre toi-même. OK. Je vais baisser le son, tu vas poursuivre. Et quand je vais remonter le son, tu dois être... Right on. Pile poil. OK. Layla. Oh, my God. Elle voudrait pouvoir choisir de vivre comme une reine ou d'être une sirène. Quand le jour se lève, la nuit tombe à flot. La danse. Quand le jour se... Et les ongles. Layla, j'en dévoile. T'as trop de hits, Lara. Écoute, je me souvenais pas de tout. Écoute, j'ai écrit ça, je devais avoir 22 ans. Et là, je suis excessivement flattée parce que sur cet album, Ma vie dans la tienne, il y a une chanson où je t'ai clairement servi d'inspiration. C'est vrai? Je t'amène au refrain de ta chanson, okay. Ton désir. Chante-le-moi et tu vas voir, tu vas tout comprendre. Attends une minute. Je serai ton désir, ta poupée, ton pull en cachemire, ta minute de plaisir. Et attention. Ton envie de sucré salé, yes! Je suis juste déçue que ça rime pas avec une autre phrase et Patrice Bélanger. Ah, je peux la refaire, hein. Je peux t'enregistrer un single si tu veux. Spécial, puis on fait un jingle sucré salé. T'es sérieuse? Mais oui, mais pourquoi pas? Avec plaisir. Okay. Avec grand bonheur. Lara, tu es la plus québécoise des Belges. Oui. Alors, on a préparé un dernier petit questionnaire en rafale. Belge ou québécois? OK. Les gaufres. Ben, les gaufres, elles sont quand même un petit peu belges, hein? Un petit peu. Même s'il y a de très bonnes gaufres ici, mais la gaufre belge est bonne avec la chantilly, là, puis le sucre. Hein, papa. Les hommes, belges ou québécois? Joker, italien! Ici, on exclut l'italien qui se passe bien avec ma femme. Hein? Québécois, sans aucun doute. Ah oui? Oui, sans aucun doute. Une espèce de truc... une sorte de testostérone naturelle comme ça, une espèce de le syndrome du hockeyeur, là. Oh, la crampe d'ovaire. Le hockey ou le soccer? Ah, le hockey. Ça me rappelle... Mais ça marche avec le gars. Ben c'est ça. Ça me revient, là. Veux-tu m'en reparler? J'ai jamais autant crié que le jour où, pour la première fois, j'étais voir une game, j'étais voir les Canadiens. Et ça a l'air de quoi, Lara Fabian qui crie au hockey? Ouais. Je te fais la bise. Oui. Un immense, immense merci. Merci pour ta générosité, ton ouverture, ton authenticité. Merci beaucoup et merci. À très bientôt. L'album Ma vie dans la tienne de Lara Fabian est présentement disponible. Elle est en spectacle un peu partout jusqu'en avril 2017.